poule qui vient juste d'être achetée au marché. Donc si elle commence à manger maintenant, c'est que elle était quelque peu sous-alimentée. Elle n'a jamais marché sur l'herbe. Tout ce qui est verdure, elle ne connaît pas, elle est complètement perdue. Je lui ai tendu un ver de terre, elle n'en voulait pas parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Donc poule achetée, deuxième cycle de ponte. Moins cher, parce qu'un petit peu plus âgé, mais enfin nous ça change rien. Voilà, elle aura son petit paradis là. Petit paradis. On dit qu'on peut mettre plusieurs poules dans un mètre carré, ben là ça va être deux poules dans presque un hectare. Je viens d'offrir le paradis à cette poule. Faut savoir que sur ce petit espace, ce petit enclos, qui pour nous nous paraît très petit, une poule qui vient de d'un élevage en batterie, alors nous même en achetant 5 mais qui venaient d'élevage en batterie, c'était déjà immense pour eux ça. On ouvrait le portail là-bas, elle sortait même pas. Elle sortait pas parce que déjà 5 poules là-dedans c'est énorme. Elles sont c'est spacieux, c'est plein d'herbes, c'est voilà. Par contre 5 poules dedans, au bout de quelques semaines, c'est une terre aride, il n'y a plus aucune herbe. Donc là pour l'instant elle se cache. L'autre la rejoint, et puis voilà, ça va se faire petit à petit. Jour après jour, elle va aller se balader, jour après jour, elle va aller conquérir son territoire. On entend la première qui fait un appel. Voilà, pour ceux qui veulent des poules, aller chercher des poules en batterie, ils en vendent normalement quand elles ont fini les premiers cycles de ponte, et vous ferez des heureuses. Vous sauvez la vie d'animaux qui peuvent avoir une superbe vie comme ça dans la nature.